projet d'agrandissement de l'avenue Kassavubu entre Bakayav et Tshibangu et que l'ordre est venu du chef de l'État, selon les investigations. Bon, je crois que le chef de l'État est politique. Il y a des techniciens autour de lui. Le chef peut prendre une décision. Les techniciens sont là pour faire voir au chef cette situation, cette décision n'est pas conforme et n'est pas dans les règles. En sachant que nous sommes dans une ville où par rapport aux réhabilitations des routes, il y a beaucoup d'autres accès qu'on a commencé, qu'on n'a jamais fini. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cette partie-là, il y a une grande masse de la population. On ne peut pas faire des voies à grande vitesse. Parce que l'idée, par après, c'est faire de ça une voie à grande vitesse. Est-ce que les embouteillages dus au comportement des conducteurs, des ministres et de certains officiers doivent être la cause de détruire tout un environnement? Moi, je dirais non. Ça montre que jusque-là, si les informations qu'on a reçues sont vraies, il y a encore un problème au niveau de l'entourage du chef. Il doit vraiment revoir son entourage. Parce qu'aujourd'hui, on parle au niveau international, au mondial, du réchauffement climatique. En sachant qu'il y a plusieurs projets qu'on a commencé, qu'on a lancé, qu'on n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Je prends le cas de Limité. Est-ce que c'était prioritaire? Moi, je dirais non. Ailleurs, il y a de ces projets-là, avant de, quand on voit de pareilles situations, on cherche à préserver les arbres. Moi, j'ai toujours dit la révolution de la modernité, je l'ai dit entre guillemets. Parce que jusque-là, la manière dont on est en train de construire les chaussées ou des routes, ça, ce n'est pas une modernité. C'est vieux. Aujourd'hui, vu la position du Congo, on devait construire des routes d'une manière réfléchie. Mais actuellement, c'est irréfléchi. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, il faut arrêter. Moi, je crois, si on n'a pas des idées pour travailler dans les normes, il faut arrêter. Il faut arrêter avec les massacres. Ça, c'est parmi des crimes. Je ne sais pas que ce soit au niveau du ministère de l'Environnement, que ce soit national, que ce soit provincial. Il devait quand même dire au chef non, si c'est réellement ça venait du chef. Parce que le chef est là, il a des conseillers dans tous les secteurs. À la fin, nous risquons d'être surpris de voir que même pas un kilomètre, ça va nous coûter dans les 2 à 3 millions. C'est là le problème. Aujourd'hui, moi, j'ai demandé au chef qu'il envoie ses experts faire l'enquête sur les travaux de réhabilitation de l'avenue des universités. C'est ce que moi, je vais demander au chef. Là, ce n'est pas prioritaire. Ils ont massacré, je crois, plus de 10 arbres. S'ils peuvent laisser les paix là, et nous allons demander l'autorisation pour planter. Là, ils ont coupé gratuitement. Ça, c'est une promesse qu'on fait au chef.